On a pu cette fois-ci avoir le temps de bien s'organiser. Et donc, il avait été décidé très tôt d'aller dans un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, où on pouvait retrouver les conditions qu'on allait trouver à Boaké. Et donc, cela influence aussi directement sur les équipes que l'on peut rencontrer. Donc, il est difficile, par exemple, de décider d'aller dans un pays tel que le Togo, ou ça aurait pu être le Ghana, Guinée équatoriale un peu, tous les pays un petit peu comme ça proches de la Côte d'Ivoire. On n'a pas trop de voyages à faire. Et en même temps, de rassembler les équipes que l'on veut absolument jouer. Parce que toutes les équipes ont leur programme, leur planification. Donc il fallait quelque part, d'une certaine manière, se contenter de ce qu'on pouvait trouver déjà sur place, donc à savoir déjà le Togo. Après, cette équipe du Burundi, c'est une équipe qui, jusqu'à la dernière journée de championnat, la dernière journée de ce petit championnat de qualification de Coupe d'Afrique, a joué un match décisif contre le Cameroun, je crois à Douala d'ailleurs, où ils auraient pu, donc ils ont fait une bonne campagne de qualification, ils se sont fait éliminer sur le dernier match, et je trouve que c'est une équipe qui va nous rendre des choses difficiles, mais à la limite, je vous dis, moi ce qui m'intéresse le plus là-dessus, c'est d'être dans l'environnement de ce que l'on va trouver en Côte d'Ivoire.